Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un lookbook spécial bottes. Je vous ai mis 5 petites tenues avec 5 bottes différentes. Je vais vous commenter tout au long de la vidéo les liens, où est-ce que j'ai acheté. Je vais aussi vous donner un code promo de chez Clarossa. J'ai beaucoup de bottes de chez Clarossa, donc là dans le lookbook, je vous en présente 1, 2, 3. Donc 3 bottes de chez Clarossa. Le code, je vais vous le mettre tout en bas, c'est Soares45. Vous avez moins 45% sur tout le site Clarossa. Donc voilà, je vous laisse avec le lookbook. Donc pour cette première tenue, je porte un bas de chez Zara, un body de chez Bershka, donc de l'année dernière, donc je pense plus qu'il est dispo, mais de toute façon c'est juste un body en col kaikai, donc ça se trouve assez régulièrement, il y en a vraiment partout, surtout sur PLT. Le bas donc c'est un Zara, je l'ai pris en taille 38, de toute façon je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Je pense qu'il y a tout de dispo, c'est pas des choses que j'ai acheté il y a très 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 longtemps. Par contre le manteau, c'est un new look que j'ai acheté à 50€, il était à 100€, mais il date d'il y a 4 ans, donc je pense plus du tout qu'il soit sur aucun site. Je suis vraiment tombée dessus par hasard. Ensuite pour la chaîne que je porte, donc c'est celle-ci, elle vient de chez Air Queen. Je vous mettrai aussi le lien parce que je sais qu'elle est dispo. Elle m'a coûté 12,95€. Donc voilà pour la première tenue. Deuxième tenue, alors là j'aime beaucoup, je suis vraiment pas une fille qui porte des blazers, mais j'aime beaucoup cette tenue avec ce blazer là, très oversize. Il vient de chez Boohoo, j'ai pris en taille S vu qu'il est déjà oversize, j'avais pas besoin de prendre une taille au-dessus. Ensuite donc je porte un short tout simple de chez Boohoo aussi. Et le sac, c'est un sac de chez Primark, j'ai dû l'acheter il y a un an à 5€. Cette tenue, c'est un style assez monochrome, on est vraiment sur des couleurs beige. Les bottes, c'est des Good Lust, je les ai achetées il n'y a pas très longtemps. Le bas, c'est un bas Zara en cuir, en taille 38, puisqu'il taille assez petit. Franchement, les bas en cuir de chez Zara, ils taillent super petit. Et puis, le col roulé à manches courtes, c'est un Zara aussi. Le blazer, c'est un Naked. Je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, il a une particularité super bien, genre elle est vraiment belle. C'est qu'il a les manches bouffantes, donc elles sont très très bouffantes, la structure elle est vraiment top, elle tient super bien. Et au niveau des boutons, il y a des détails marbrés. Pour le sac, je l'ai acheté aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. C'est un sac de chez Primark qui m'a coûté 8€. Donc il est vraiment tout mignon, la lanière et tout en mode froissé, elle est vraiment magnifique. Donc à la fin on a des looks assez similaires. Cette chemise oversize que je porte, blanche de chez Pretty Little Thing, elle est très oversize. Et au niveau des manchettes, elles sont super belles. Je porte ça avec une sorte de top en maille de chez Cinelle Paris. Ce petit top vous le trouvez partout. Il y en a à Stradi, il y en a à Zara, il y en a à Bershka, il y en a vraiment partout. Et en plus ils sont pas très chers. Au niveau des bottes, c'est des bottes Clarossa. Donc elles sont froissées, très jolies. Ça fait un look assez parisienne. Et pour cette dernière tenue, je porte des bottes. Ces bottes là, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est des Les Circa.
elles sont vraiment vraiment canon, elles sont super confortables. Les poches, elles se retirent bien évidemment. La chemise, c'est toujours la même. Et puis le haut, c'est un petit haut. Tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai acheté ce haut, puisque il n'y a pas de corps, on va dire, il n'y a vraiment que des manches. Et le col, il vient de chez Zara, je l'ai acheté à 15,95 aussi. Moi je le trouve vraiment beau, mais il est assez dur à caler. Et pour le sac, c'est un sac d'un petit shop sur Instagram, je sais plus exactement le nom, de toute façon je vais tout vous mettre encore une fois en barre d'infos. En plus de ça, la chaîne qui sert de lanière, elle se retire, donc après ça fait comme si c'était une petite pochette. C'est super bien. Du coup, vous savez que pour moi, c'est vraiment une passion, tout ce qui est vêtements. Donc ça m'a fait super plaisir de vous faire cette petite vidéo. Donc elle est assez courte, mais c'était juste, j'avais envie de sortir une petite vidéo. Donc je l'ai fait surtout dans mon univers, on va dire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous la tourner. On se retrouve très bientôt, puisque je vous ai dit, hein, vous allez vraiment enchaîner les vidéos. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner. Ça me fait hyper plaisir. Gros bisous.